Vous pouvez observer qu'ils abaissent leur centre de gravité. C'est un peu comme une moto. Ah 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 ah. Alors on a tout à fait... C'était un poil tard quand même. Oui, plutôt que d'essayer de taper l'autre, vous lâchez votre arme, vous partez en courant. Ça, c'est une belle photo là. Et on applaudit. Hein. Bravo. Oh, bravo. Ah, il y a aussi le coup dans les films. De l'épaule. Alors moi je perdais quand même la moitié de ma cervelle. Moi je fais rien du tout. Et lui il mourrait demain dans notre souffrance. Bah, donc il vaut mieux mourir tout de suite. Ah oui, moi j'ai pas souffert là. Ah, je peux écrire par la tête une épée. Bah, écrire. Mmh. Tu peux dicter. Écrire au moins que j'ai gagné avant. Tu peux écrire tes dernières volontés surtout. J'ai bien fait avoir ce coup là. Je me suis pris dans le bambison, donc il n'y a rien. Comme vous voyez, comme quoi les tissus, des fois, c'est... Encore ? Il aime bien mourir, lui. Hein, c'est, Et comme disent les grands bisons, mais d'où les tissus ? Oui, petit zizi. Vous avez vu là, ça fait très mal. Ouais. Mais j'en ai le temps pour fuir. Oh, j'aurais pas dû lui laisser le temps de réagir. Ouais. Ouais, c'est une fraction de seconde qui compte. Il m'a percé jusqu'à l'utérus. Non. Ah non, c'est le cubitus. Non, cubitus, c'est un gros chien blanc. Bon, c'est un truc en us. Le petit chinois alors, profite. Ouais, j'ai bien une idée, mais il y a des enfants. Bon, bon. Bon, la dague, ça suffit pas. Bouclier. Ouais. Bouclier. Au cinéma, ça marche comme ça. On en revient au cinéma. Ouais. Ouais. Ça sert à rien, on tape sur le bouclier. D'ailleurs, dans les films, quand ils servent le bouclier, ils font comme ça. C'est-à-dire qu'ils pivotent sur la jambe. Et du coup, le bouclier vous protège de vos ennemis des aériens. Regardez si je fais ça avec lui. Ça s'appelle un peu bouclier. Le bouclier sert aussi à attaquer. D'ailleurs, mets ta main comme ça. Mets ta main comme ça. Bonjour Playmobil. Alors maintenant, le but du jeu c'est de passer derrière le bouclier. Et là c'est beaucoup plus complexe. Ça fait appel aussi à la pointe. C'est-à-dire qu'on va aller chercher derrière. Essayer de trouver des astuces pour passer. Et encore, là on est en gambison, mais en maille, il va falloir essayer de trouver des endroits comme celui-ci ou comme les yeux. C'est très difficile finalement de tuer quelqu'un avec un bouclier et une armure. C'est un peu pour ça qu'on le met, c'est pour mourir. Oui. Pourquoi vous ne faisiez pas de bruit ? Voilà. Il m'a coupé la jambe gauche. Je vous garantis, si vous avez la jambe gauche coupée, quand vous rentrez chez vous, vous tournez en rond. C'est sûr. Ouais. À la limite, tu peux continuer le combat, mais en courant. Bravo. Pas partout. Mais je suis passé juste derrière. Je l'affaiblis en lui faisant quelques petites entailles. Ça peut suffire pour qu'il quitte le champ de bataille. Si tu peux pas avoir un gros animal tout de suite, il fait plein de petites blessures et il va mourir en buvant son sang.
ils arrivent à se blesser tous les deux. Alors, si on laisse l'épée comme ça, ça fait rien. Mais à un moment, il va falloir la dégager. Et comme une épée, ça coupe, attention, on coupe. Aïe ! C'est là qu'on se fait mal. Il m'a eu. Il m'a re-eu, là. C'est bête, hein. Mais j'en ai marre. Sourire, Bollywood. Photo, moi. Ouais, photo, bouge pas. Ah, ouais. Eh bien, on applaudit, messieurs Nicodémus. Et messieurs Richard. Ouais, vous pourrez nous acclamer, oui. Ah, une dernière chose. Ainsi que messieurs à la main. C'est bon, regarde. Vas-y, une dernière chose. Une dernière chose. Bon, on prend toujours une dernière chose. La première, imaginez faire de la boxe avec des poids de 1 kg à la main en doudoune, en plein été. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez que ça ne dure pas longtemps. La deuxième, là, je m'adresse aux enfants. Mon père, on le fait depuis 16 à 20 ans. Donc, n'essayez pas de refaire ça chez vous. Non, jamais. Faites ça chez vos voisins. Oui, c'est mieux.